Regarde, j'ai des arbres en diamant et bien sûr, quand je casse une feuille, j'obtiens du stuff ultra puissant. Juste génial. Yo, c'est le capitaine, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui on se retrouve pour j'ai des arbres en diamant dans Minecraft, et oui tu vas kiffer, franchement fais-moi plaisir, si la vidéo te plaît je t'invite à t'abonner et activer la cloche, et bien sûr reste jusqu'à la fin, c'est parti. Allez c'est parti pour une toute nouvelle aventure, aujourd'hui les feuilles sont en diamant. Et bien sûr, comme elles sont en diamant, quand on casse une feuille, regarde, on obtient du stuff de fou. Mais, pour le challenge, et sinon c'est trop facile, comme c'est censé être du diamant, on n'est pas censé pouvoir le casser à main nue. Il nous faut au minimum une pioche en fer. Donc le challenge, c'est d'attendre d'avoir une pioche en fer avant de casser les feuilles. Ok? Donc, le stuff que j'ai là, hop, je m'en débarrasse, on s'en sert pas. Et l'objectif, c'est de rush une pioche en fer. Dès qu'on a une pioche en fer, on casse le diamant. Allez, c'est parti! Du coup, qui dit pioche en fer dit forcément une aventure survie. Et donc, commencez par... du bois! Bah oui, bravo, t'as deviné. C'est pas comme si c'était toujours la même chose, hein? Non, je plaisante, c'est bien que t'aies trouvé. Bon, on casse cet arbre tranquille, et le programme est très simple. Pioche en fer, dès qu'on a une pioche en fer, eh ben on pourra casser les feuilles. Et tu vas voir, ça va être ultra stylé. Alors, faut faire gaffe parce que, ouais, comme les feuilles vont commencer à despawn, voilà, on va avoir du stuff qui tombe du ciel. On n'a pas le droit de le prendre, donc je prends pas tout ça. Faut faire attention à ça. Bon, j'ai du bois d'acacia, hop, table de craft sans hésiter, on pose, des bâtons, et direct, pioche, hache, épée. Hop, on réorganise. Parfait, je reprends ça. Alors, on va prendre un peu de bois, bien évidemment. On va casser cet arbre-là, hop. Et tu sais quoi? Je vais pas casser le dernier bois ici. Parce que si je le casse, l'arbre entier va disparaître et on va avoir plein de diamants sur la tête. Enfin, plein de stuff sur la tête. Donc, on va laisser un morceau d'arbre. Là, c'est bon, je cours. Voilà, ça va. T'as vu comme c'est stylé, une fontaine à item. Regarde ça. C'est trop beau. C'est franchement trop beau. Mais on n'a pas à s'en servir tout de suite. Eh, c'est le challenge. Hop, allez, j'ai un peu de bois de réserve. Parfait. Maintenant, direction la plaine. Là, il y a un petit poulet. Hop là, poulet. Un autre petit poulet. Il a même pas bougé, genre. Il a même pas essayé d'échapper à la mort. Donc là, comme d'hab, on prend un peu de bouffe, tu vois, tranquillement. Bah, comme ça, on a tout simplement tout ce qu'il faut pour l'aventure. Donc, mouton aussi. Enfin, cochon aussi. Non, ça, c'est pas un mouton, c'est bien un cochon. Eh, hey, poulet, où tu vas? Bon, il y a une mine ici, c'est parfait. Ah bah, tiens, voilà, il y avait un mouton, il y a des moutons même. Hop. Donc, comme d'hab, on prend un peu de bouffe pour l'aventure survie. Hop là. Tu m'échapperas pas, toi. Hop. Alors, ça tombe bien, il y a plein d'animaux ici. Bon, les moutons aussi. Ça, ça nous fera de la laine. Je vais mettre toute la bouffe en bas, comme ça, on voit à peu près combien on a. Il faut quand même pas mal de steak pour la survie. Hop, un mouton de plus. Un autre mouton de plus. Le poulet. Ah, regarde tous les poulets qu'il y a là-bas, là. Bon, il y a un village, on va pas y aller, c'est pas la peine. En vrai, si, on va peut-être y aller, on va y aller. En vrai, je voulais miner direct, mais des fois, il y a des trucs bien. Bon, je pense que niveau bouffe, on est tranquille pour un petit moment. On a un peu de chaque nourriture, donc c'est pas mal. Salut, toi. Ok, t'es mort. Bon. Explorons très vite fait ce village. Encore une fois, c'est pas notre centre principal d'intérêt. Mais il est là, donc autant aller voir. Ah, il y a des vaches ici. À l'attaque! En vrai, c'est sympa, hein. Alors, très joli village d'ailleurs, au passage. C'est quoi, regarde, on va en profiter un peu. Ici, il y a un peu de bouffe. Hop, il y a du blé. Table craft. Hop. Et hop. Miam, miam, un peu de bain. Ça fait plaisir. N'hésite pas, bien sûr, à me dire en commentaire ce que tu penses de cette aventure incroyable et du fait d'avoir des diamants à la place des feuilles. Comment t'as, Max? Ça me fait plaisir. Bon, on va casser le reste des trucs ici, bien évidemment. Comme ça, on aura de la bouffe de réserve. Voilà, très bien. Hop, sans hésiter directement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce village? Un lit. Bon, bah, on va prendre le lit. C'est quoi? On va direct voler un lit comme ça, la laine. Hop là. Fait de la place. Vous êtes pas la team coffre, vous. Hein. Vous êtes pas le village avec des coffres. Hein. C'est pas trop votre truc. Hein. Il est bizarre ce village. Il y a une partie qui a spawn en haut, mais il n'y a pas de route entre les deux. T'as vu? Alors, coffre, coffre. Non, c'est pas un village à coffre. Bon, au moins on aura eu du blé. Alors, joli bâtiment ici. Ah, la forge. Là, il y aura des coffres. Normalement, hein. Oui, il y a eu des coffres. Alors. Ok, mais c'est qu'il y a du stuff pas mal du tout en fait pour une forge. Bon. Il y a une tenue en fer, ça nous fera du fer économisé, un peu de diamant, 3 de fer. Bon, tu sais quoi, pour le challenge, on va pas fabriquer de pioche en fer, mais une hache en fer. Parce qu'on est censé miner quand même. Sinon, c'est trop facile. On a dit qu'on respecte le challenge. Et avec ça, hop là, une épée. Eh, on a quand même trouvé des trucs de fou, je trouve, en 5 secondes là, d'aventure. Ok, on a du pain, on a de la bouffe, on a tout. Hop, nouvelle hache en place. Bon, on casse un arbre ou deux et on va miner, chercher du fer. Et dès qu'on a du fer, pioche en fer. Et on casse les feuilles. Ça va vite, hein. J'entends un chat. Il y a un chat dans ce village, mais on n'a pas de poisson. Pas grave, pour plus tard le chat. Tiens, dis-moi, vache, tu veux tester ma nouvelle épée en fer? Boum! Bon, comme je t'ai dit, on va casser quelques arbres, mais on va laisser le dernier morceau de bois. Genre là, voilà, comme ça, il n'y a pas des items qui tombent du ciel. Hop, même chose ici, on laisse le morceau tout là-haut. Bon, là, on devrait avoir suffisamment de bois. Ok, on a plus d'un stack, bon, ça, on peut jeter ça aussi. Bon, allez, faut trouver une mine, il y avait une mine pas loin. Go chercher du fer. T'as remarqué qu'on s'est pas donné la pioche en fer, c'est pour le challenge, ça aurait été trop facile. Salut poulet, elle va pas passer devant moi, hein, si tu veux vivre. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette mini-mine? Ouais, c'est vraiment une mini-mine, hein. Ah non, peut-être pas par là, peut-être par là-bas, ça continue. Alors, qu'avons-nous ici? Un peu de charbon, un peu de pierre surtout, ça peut être pas mal, on a encore une pioche en bois. Allez, on va améliorer ça. Je pense que t'étais impatient qu'on améliore ça. Voilà. Et regarde, c'est quoi même pour le kiff? Truc qu'on fait jamais. Voilà. Comme ça, regarde. C'est quand même vachement rapide comme item, hein.
C'est plus rapide que du diamant, par contre ça casse à la vitesse de la lumière. Bon, un peu de ressources ici, je te rappelle l'objectif c'est du fer. En vrai pas tant de fer que ça, on a déjà l'armure. En vrai ça va aller très vite hein. Dès qu'on trouve 3 de fer c'est bon. Ça va aller super vite. Bon, alors, il y a un peu de pierre, combien de pierre j'ai? 9, ok, de quoi fabriquer quelques fours, on en prend toujours un peu plus, je te rappelle la règle. Dans Minecraft, c'est un conseil qui s'applique tout le temps que je te donne, prends toujours plus de ressources que ce dont t'as besoin. Tu regretteras jamais, ça te servira toujours. Bon, il y a quoi ici? Il y a du fer. Ok, j'allais dire c'est trop facile, c'est à 3 de fer direct. Non, il n'y a pas 3 de fer direct. D'ailleurs, le fer est tombé ici. Petite piscine d'intérieur. Ah, il y a encore du fer là. Le jeu nous aime bien quand même, hein. T'avoue, regarde. Le jeu, il nous aime quand même beaucoup, hein. Il nous a quand même direct donné du fer. Regarde, je suis à 5 de fer. J'ai même pas eu besoin d'aller dans une mine, il y avait ça dans une marge. Enfin, dans un... Oh, c'est pas... T'appelles ça comment? Un lac, allez, un lac souterrain. Bon, un lac... Allez, va pour lac souterrain. Je sais, la surface est pas loin, on voit le jour, mais c'est pas grave, allez, c'est comme ça que je l'appelle. Il y a un morceau là, et encore un morceau là. Alors, 9 de fer, bah tu sais quoi? Sans aucune hésitation, hop, double four, hop, hop, le fer, très bien. Pendant que c'est à la cuisson, explorons de ce côté-là. Ouais, c'était vraiment une mini-mine, ok. Bon, on a quand même trouvé du fer, hein, dans cette mini-mine, hein. Alors, c'est en train de cuire ici. Bon, on va avoir accès à la pioche en fer. Ah, il y a un truc qu'on pourrait faire tout de suite, là. Très, très important, même. T'as vu que j'ai plein de bouffe. Bon, le pain, c'est sympa, mais c'est pas la nourriture la plus intéressante. On va donc fabriquer des fours rapides à nourriture. Alors, cet arbre-là, il est pas pratique parce que tout tombe en bas. Bon, en même temps, on peut pas trop tomber en haut. Bonne blague. En vrai, je vais prendre 8 de bûches. Comme ça, regarde. Il va falloir un peu plus de pierre. J'ai tout dépensé dans les fours. Ah, maintenant, regarde, j'ai un four qui sert à rien. Parfait. Voilà, un four rapide à nourriture. Hop, sans hésiter, on divise. Et tous les steaks à l'intérieur. Avec le fer qui arrive, hop, sans hésiter. El famoso, pioche en fer. Et même, pelle en fer. Hop, hop, hop. Ok, excellent. La bouffe arrive. Très bien. Un peu de pierre, je dis pas non. Fabriquer un autre four rapide. Hop, craft du four. On récupère ça là. Et les bûches. Voilà. Comme ça, deuxième four rapide et le poulet, ça y va. Alors, pour le reste, des ressources. Ça, peut-être ta manchante, on garde. Le reste, on peut poser le lit. On va pas servir du lit, parce qu'on va fight la nuit, bien évidemment. Non, c'est pas drôle. Bon, on a une pioche en fer, du coup, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on peut commencer à casser ce qu'il y a ici et découvrir ensemble le stuff de fou. Donc, qu'est-ce que ça nous donne quand on casse ça? On a un magnifique plastron, Fire Protection 4. Je prends, je jette mon ancien plastron. On va jeter aujourd'hui, tu vas voir. Hop, je casse. Qu'est-ce qu'on a? Une pelle efficacité 4 mending. Regarde la puissance. Regarde. Et incassable, hein, parce que mending, dès que je récupère de l'XP, elle va se régénérer. Donc, ça pas la peine de garder l'ancienne pelle. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, de l'or, de l'émeraude et du diamant. Excellent. Quoi d'autre? Ok, j'ai un autre truc. Efficacité 5. J'avoue, c'est pas mal. Après, elle a pas. Mending, j'hésite. Bon, on va garder celle-là. Protection 4 en making 3 sur les bottes. Des bottes en diamant, regarde. On va fight la nuit, on va s'amuser un peu. Puis après, si on a tous les items, on ira tuer l'Under Dragon ou le Wither. Alors, des bottes, Death Rider, Feather Falling. Enfin, je préfère en diamant. Respiration 3, je prends. Ok, des trucs de fou. Protection 4, mending, je prends. L'autre, c'était Fire Protection. T'as vu, on a rien fait et on est déjà ultra puissant. Je sais pas si tu t'en rends compte quand même. Ok, là, il y a des trucs. Des lingots de fer. Bon, ça, on va pas regarder, ça prend de la place. On a du fer, de l'or, une bouteille d'XP. Encore des giga ressources, du lapis azulis. Une bouteille d'XP encore. Des graines de betterave. Ça, c'est original. Alors, je pourrais casser l'arbre entier. Je sais ce que tu veux que je fasse. Mais ce serait trop le bordel. Donc, je casse un par un pour l'instant. Après, si tu veux, on s'amusera. Pour l'instant, comme ça. Qu'il y ait des ressources, etc. Est-ce qu'il y a des trucs en netherite? On est quand même giga riche, je t'avoue. Beaucoup de fer. Énormément de ressources. Tout à l'heure, ça donne un max de ressources. Ce sont souvent les mêmes. Non, mais regarde mon inventaire. Est-ce que t'as vu mon inventaire quand même? Quelle dinguerie! Bon, ça, je garde pas, ça prend une place folle. Ah, mais le fer, il y en a trop là. C'est multicolore mon inventaire là. Bon, tu sais quoi, si on cassait un arbre entier, allez. Voir un peu le désordre absolu que ça va créer. Ok, c'est cassé, prépare-toi. Ah, ouais, c'est rigolo quand même. Hein. C'est quand même pas mal, hein, je t'avoue. D'ailleurs, c'est rigolo, on dirait que les feuilles donnent pas la même chose. Ça, c'est des feuilles d'acacia, tu vois. Et les feuilles d'arbre, genre comme ça, donnent pas la même chose, regarde. Je vais casser ici. Chaque arbre donne pas la même chose, regarde. Et là, regarde. T'as vu? C'est des armures et des pioches. C'est trop marrant, les feuilles donnent pas la même chose. Alors attends, il y a quoi ici de fou là? Parce que là, waouh. Alors, une pioche fortune 3. Oh, il y a tous les meilleurs enchantes du jeu dessus. Fortune 3, efficacité 4, on va tester ça. Unbreaking Fire Protection, je prends. Bon, diamant, Vast Protection. Alors, une épée Sharpness 3, je prends. Sharpness 3, on va les fusionner ensemble. Attends, là, je jette des items parce que là, il y a trop de trucs. Armure pour cheval en diamant. Attends, j'avais une selle il y a 5 secondes. Attends. La selle. Ok, j'ai une selle. Et j'ai une armure pour cheval. À quoi infinity? Oh non, mais il y a trop de trucs. Il y a trop d'items de fou. Non, mais regarde ça. Attends, il faut qu'on teste toutes les feuilles parce que ça donne pas la même chose. Ça, c'est un truc de fou. Ok, une autre selle. Ok, il y a un mob. Salut. Ça va? Boum. Two-shot. Ah, three-shot. Ah, c'est moins fort qu'avant quand même. Hein. Ah, mais c'est Sharpness 3. Ok, c'est pour ça. Salut. Alors attends, ça c'est des feuilles de... Les feuilles d'acacia donnent du stuff genre ça, tu vois, genre des minerais. Les stuff de trucs classiques donnent des minerais mais aussi des armures. Donc ça change en fonction des feuilles qu'on casse. Et j'en remarque qu'il n'y a jamais de hache d'ailleurs.
Ok, et tu sais quoi, il y a d'autres types d'arbres qu'on a. J'ai envie de tester ça. Bon, déjà, il y a des mobs ici. Salut. Adios. Salut. Adios. Non, mais on est trop puissant. On est beaucoup trop puissant. Salut, zombie. Ah, faut que je jette des trucs là. Je fais un peu le ménage. On va pas garder en triple exemplaire les mêmes trucs. Attends, parce que je voulais garder l'épée pour fusionner dès qu'on a une enclume. Attends, on peut fabriquer une enclume, qu'est-ce que je raconte? On a de quoi fabriquer une enclume. Regarde, sans hésiter. Hop, hop. Trois blocs de fer. Hop là, une enclume. Salut les zonzons. Vous voulez participer à la fête, c'est ça? C'est sur invitation! Alors, on fusionne? Sharpness 4. Ça, c'est bien. Ça, c'est lourd, ça. Alors, moi, je voulais tester. Là-bas, regarde, il y a des bois de bouleau. T'as remarqué, ça n'a pas la même couleur. Je sais pas pourquoi ça a bugué. C'est en diamant, mais en diamant vert. Trop rigolo, ça, t'as vu? Alors, qu'on pourrait avoir des arcs. Alors, il n'y a pas trop de netherite, c'est rigolo, ça change un peu. En général, dans ce genre de truc, on a de la netherite, là, il n'y en a pas. Toi, tu meurs. Bon, sharpness 4. Et c'est pas si fort que ça, c'est du two shot dans le meilleur des cas. Bon, alors, regarde, il y a du bois de bouleau. Évidemment, on va directement casser l'arbre entier. Et puis, on va voir ce que ça donne, hein. Alors, l'arbre n'a pas dispawn, je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il y a un grand arbre à côté. Ah, c'est bon, ça va dispawn. Ah, mais il y a un grand arbre qui a poussé là. Attends, c'est galère, on va juste casser un arbre comme ça, voilà. Et on va pas s'embêter. Il y a des nouveaux trucs que t'as pas vu. J'ai vu des nouveaux trucs, regarde. Ok, ça dispawn. Alors, des blocs de feu. Waouh. Il y a la netherite. Attends. Pomme dorée. C'est trop bien que ça change en fonction des feuilles. Alors, attends. Il y a trop de trucs. Waouh. Les flèches spectrales. Ok. Du quartz. Une épée. Un casque. Bloc de fer. Ça, c'est pratique. Ça va nous faire de la place. Netherite. Enfin. Enfin de la netherite. Magma cube. Ok, épée. Donc, il y a des trucs en commun. Il y a une pomme de notch. On a mangé. Allez, faut en profiter, écoute, hein, c'est de la bouffe gratuite. Il y a toujours du stuff de fou. En vrai, ok, il y avait des nouveaux trucs ici, même de l'obsidienne. Ah non, de l'obsidienne cyan, d'accord. Dommage qu'il n'y ait pas l'obsidienne classique. J'aurais bien aller dans le nether. Ok, donc ça, il y a ça là. C'est intéressant. Je vais te montrer les autres feuilles. Si tu veux, après, on fight le wither. Bon, c'est un peu drôle. On fight le wither, on fera spawn le wither. Mais juste avant, je vais voir un peu quelles feuilles donnent quoi. Par exemple, on a testé pas toutes les feuilles. Là-bas, regarde, j'ai des feuilles de sapin. Donc, on va aller voir tranquillement ce que ça donne les feuilles de sapin là-bas. Bon, après, on est quand même giga puissant. Hein. C'est très très drôle. Et c'est bien d'avoir mis des feuilles différentes. Je pensais pas. Je pensais que toutes les feuilles donnaient la même chose, mais non. Non. Et ça, c'est trop rigolo. On a eu de la netherite. Alors, les feuilles de sapin, nous y voilà. Tu paries sur quoi, toi? Il y aura quoi? En vrai, je suis curieux, hein. Il y aura quoi? Allez, ça a dispawn. Ok. Et ouais, ça change. Regarde, c'est que de l'or, là. Arbalète et tout. Oh là 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 là, c'est trop bien. Alors, mince. Attends, j'ai jeté les blocs de fer. Ah oui, il faut qu'on trouve un cheval. Ouais, attends, on va trouver un cheval. Avant d'aller dans le wizard, enfin, le wizard, on trouvera un cheval. Alors, moi, je veux un arc, s'il te plaît. Truc mending. Ok, il y a des flèches. Merci pour les flèches, déjà. Ça, c'est très sympa. Alors, il y a beaucoup de flèches. Il y a des haches. C'est beaucoup en or. C'est marrant parce que je vois des arbalètes, mais il n'y a pas d'arc, par contre. Mais on va avoir une arbalète. Alors, diamant, des flèches. Ok, il y avait une arbalète. Il n'y avait pas d'enchant, c'est pour ça que j'ai pas gardé. Multishot. Ouais. J'ai récupéré l'enclume. Non. J'ai laissé l'enclume à la maison. Non, t'inquiète pas, on va pas en fabriquer d'autres. Bon, je commence à avoir masse item. Alors, regarde, l'enclume, on a quoi en fabriquer une autre. Hop. C'est quoi, on va fusionner un peu les arbalètes. Là, on a plus trop de niveaux, hein. Ok, j'ai cassé quelques feuilles d'XP. Multishot, charge rapide. Et on rajoute un break 1. Voilà. Bon, on a une arbalète correcte. En tout cas, il nous faut une arbalète parce que si on veut fight un wither ou un under dragon sans arbalète ou sans truc à distance, c'est mort. Hein. T'avoue que... Par contre, on n'a pas testé toutes les feuilles. Ok, regarde où on est dans une forêt de chênes sombres. Tu vois, regarde. Ça, c'est les forêts champignons. Bah, alors, voyons voir ce que donnent les feuilles de ça. Parce que c'est pas les mêmes feuilles. Alors, par contre, pour avoir les feuilles de ça, ça va être une galère, non? Pour casser un arbre comme ça. C'est marrant parce qu'on a du stuff cheaté. Mais tu sais, on n'a pas eu de hache cheaté. C'est la hache qu'on a. Attends. Je viens d'y penser tout de suite. Non. Attends, on va remédier à ça immédiatement. Comme on n'a pas eu d'obsidienne, je peux pas avoir de table d'enchant d'obsidienne. Par contre, j'ai du diams. Donc, sans hésiter, voilà. Au moins une hache en diamant. T'avoue, c'est le minimum. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Bon, j'ai envie de savoir ce que ça donne ces feuilles-là. C'est pas tous les jours qu'on casse des arbres comme ça, hein. C'est même plutôt rare, je dirais. D'ailleurs, très très important, Néoflix et moi, on a créé un Discord pour toi et pour les autres abonnés. N'hésite pas à rejoindre, ça me fait plaisir, t'as le lien en description. Je compte sur toi. Vous êtes déjà beaucoup sur le Discord, donc n'hésite pas à rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plein de trucs. Du sable, des bouquins. Alors, ça change vraiment à chaque fois, c'est trop cool d'avoir pensé à ça. Ban of Arthropod, Sharpness, ok. Channeling, c'est pour un trident. Fire Aspect, c'est pour une épée. On va la garder. C'est marrant qu'il y ait des bouquins. Bon, c'est pas des bouquins de fou. Punch, c'est pour un arc. Ça, c'est pour une canne à pêche. Mending, ça peut être intéressant. Bon, après, je vais pas garder ça. Donc, ici, c'est plus des bouquins. T'as vu, ça change vraiment à chaque fois. C'est impressionnant, en vrai. Même, c'est pour un arc. Attends, mais quand j'y pense, on a des fils. Regarde tous les fils qu'on a. Pourquoi on s'embête? Bien sûr, on veut fabriquer un arc. Nippaling, c'est pour un autre truc. Ça, c'est un truc de canne à pêche. Donc, ouais, ces trucs-là. Alors, ces feuilles-là. Feuilles qu'on voit là. Ça donne des bouquins. Ouais, regarde, ça donne des bouquins. C'est marrant. Ok. Il y a d'autres feuilles qu'on n'a pas encore testé. C'est feuilles de la jungle. On teste ça. Attends, parce que les enchants sont pas si mal, hein. C'est juste trouver de quoi enchanter un arc de manière sympathique. J'ai pas eu trop d'enchant à arc, je t'avoue. C'est ça que je trouve un peu dommage. Après, on a déjà ça. Hein. En vrai, on va plutôt jouer arbalète, tu sais quoi. Ah, il y a un squelette. Salut. En vrai, tu sais quoi, on va plutôt jouer arbalète, c'est le jeu. Par contre, attends. J'ai dit qu'il nous fallait un cheval. Il y a deux trucs qu'on doit faire avant de tuer le wither. Déjà, premier truc, je veux un cheval en diamant. Et deuxième truc, je veux tester du bois de la jungle. Donc, nous voici dans une jungle.
On va tester un peu tout ça. Le problème des feuilles de la jungle, c'est que c'est là-haut. Ah non, ça c'est les feuilles de la jungle. Alors, on va casser cet arbre-là. J'ai envie de voir par curiosité ce que donne, tu sais, un arbre de la jungle quand même. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, des trucs assez similaires à l'arbre aux feuilles classiques là. Là par contre, ça ressemble beaucoup aux feuilles classiques. Ok, 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 ok. Et regarde, on a des chevaux ici. On teste des chevaux. Alors, est-ce que t'es rapide toi? On va pas tarder à le savoir. Bon, la technique, tu grimpes. T'attends. Ok, là pour l'instant, il veut pas, c'est normal. Allez. Ok, c'est bon. Alors hop, et hop, est-ce que t'es rapide? Ça va, franchement ça va. Regarde, il est en diamant, voilà, et il est avec nous. Bon, ça c'est bien, ça c'est cool. Maintenant, le petit challenge du jour, tu sais bien qu'on a des challenges tous les jours. Bah, il faut fight un peu un boss. Bon, flemme pour le nain dragon. Parce qu'en vrai, on a une arbalète, mais c'est pas pratique, ça recharge pas vite. Par contre, un wither, c'est facile. Bon, on a de quoi directement fabriquer le wither. Oui, je me suis donné les items. Ça va y aller un peu plus vite. Bon, t'es prêt? Ok, il va charger. On a une arbalète, on a tout ce qu'il faut. On a ça. Ça dans la deuxième main, ça doit être pas mal. Non, ça peut-être en normal, ok. Ok, c'est parti. Allez, on recharge l'arbalète. Alors, tu vois, l'inconvénient de l'arbalète, c'est qu'il faut la recharger. Après, c'est pas si mal. Ok, on va manger ça. Alors, en vrai, c'est un beau combat. Hein. Ça va être un beau combat, tu vas voir. Parce que là, en vrai, on n'a pas du stuff si cheaté que ça, en vrai. En combat, je parle. En armure, ça va. En arme, moyen. Ok. Pour l'instant, je joue à distance. Comme tu peux le voir. Ok, allez. Oh, mais il régène, what? Mais depuis quand? Depuis quand ça régénère un wither? Je savais pas. Ah, il y a un effet vol de vie peut-être. Bon, je joue à l'arbalète. L'arbalète qui est franchement pas très fun quand même comparé à un arc. Je suis largement plus fan de l'arc que l'arbalète, hein, honnêtement. Alors, je sais qu'au Moyen-Âge, il y avait les deux, mais là, franchement... En tout cas, dans Minecraft, l'arc est plus sympa. Hein. Ok. J'aimerais bien qu'ils descendent à portée d'épée, en fait. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc... On joue comme ça. Tiens, regarde. Prends-toi ça! Ah, j'ai raté. Je disais, prends-toi ça! En vrai, ça marche plutôt pas mal, hein! Juste un peu lent, mais ça fonctionne. C'est une arme ok, hein, je t'avoue, l'arbalète. C'est pas mon kiff ultime, mais c'est ok, genre. Ça se joue! Voilà, pour être honnête avec toi. Ça se joue. Ok, il est passé en phase 2, donc là, on va pouvoir être à portée d'épée. Ah, ça va beaucoup plus vite, hein, quand même. Hein. Ouais, je t'avoue, à l'épée, c'est vraiment pas... La même chose, il a quasiment plus de vie. Allez, meurt. Ok, il est mort. Excellent, excellent, excellent. Il donne une Wither Star, je te rappelle qu'il donne une Wither Star. Voilà, un item de fou. Bon, bah du coup c'était tout simplement j'ai des arbres en diamant dans Minecraft. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important. Très très important, je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo incroyable. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux de mes vidéos à l'écran, clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes!